Yop tout le monde, c'est Saf, j'espère que vous allez tous hyper bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, exceptionnellement, nous sommes en voix off. Cette vidéo a été tournée sur un extrait de flux sur Twitch, lien dans la description, je vous invite à me rejoindre, presque en stream tous les jours le soir. Donc je vous invite à aller faire un petit tour, si vous pouvez follow, ça fait super plaisir et au moins on discute tranquillou, on parle et on se prend pas la tête. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique pour se faire énormément d'argent quand vous venez à peine d'arriver sur l'île, c'est-à-dire dans les 10 premières minutes quand vous arrivez sur l'île. Alors c'est une technique qui peut s'appliquer du coup pour les joueurs comme moi. Actuellement ça fait 2 ans que je suis sur le serveur. Et cette technique à l'heure d'aujourd'hui est une technique vraiment rentable. À l'époque, je vous l'avoue, c'était pas trop ouf parce que bah, l'économie était un petit peu élevée, j'allais dire ça. Mais maintenant, ils ont baissé énormément l'économie. Donc, faire du diamant, ça rapporte vraiment pas assez par rapport à avant. La cristalline, c'est pareil. Enfin bref, toutes les ressources ont été baissées. Et je vais cette ressource-là, pour les débutants, pour moi, est une réelle ressource à exploiter. Et une ressource qui va vous faire pas mal d'argent. La technique, comme vous avez pu voir dans les secondes qui précèdent, le collègue a donc percuté alors c'est un quoi? C'est un mouton je crois. Il a percuté le mouton, j'ai du mal à voir, c'est vraiment petit sur mon écran. Il a percuté le mouton et au fait il appuie sur sa touche Windows qui permet du coup de découper un morceau de peau du mouton. Et ce qui se permet, de revendre le mouton entre 9000 et 12000 euros à la boucherie. Alors bien sûr c'est une ressource illégale mais c'est une ressource qui rapporte vraiment pas mal. C'est à dire que si vous trouvez 5 moutons ça vous fait 50000, c'est énorme. Donc vraiment je vous conseille vraiment cette ressource. 5 moutons les gars c'est pas réellement dur à trouver. Ça vous prend grand max 15-20 minutes. Vraiment hein, 15-20 minutes si vous faites gaffe aux alentours, qu'il n'y a pas de police etc. Mais 50 000 en très peu de temps ça vous permet du coup de vous payer le permis voiture. Si jamais vous venez d'arriver et si jamais vous avez déjà le permis de voiture, que vous avez acheté votre petite bagnole, etc. Ça vous permet même du coup d'acheter un sprinter. Donc, alors un sprinter c'est forcément beaucoup plus cher. Mais si vous faites cette ressource, on va dire pendant une heure et demie, grand maximum, ça vous permet de vous acheter un sprinter. Alors forcément cette technique là, vu qu'on l'a fait en stream et j'ai pu voir réellement combien elle rapportait, je me suis renseigné auprès tout simplement des supports et des helpers du serveur pour leur demander du coup est-ce que c'est normal, est-ce que vous comptez y patcher par la suite etc. Donc j'ai eu affaire avec Julien Beauvais qui est donc helper sur le support, qui est donc helper sur le serveur A4L. Et du coup il m'a dit que pour le moment ça resterait comme ça. Que au fait par la suite, donc là actuellement nous avons des gardes forestiers. Et ce qui fait que par la suite avec les gardes forestiers ça va être beaucoup plus compliqué de faire cette ressource là. Et donc ils privilégient de rester tout simplement sur cette version là. Donc pour le moment ça restera comme ça. Alors faites attention par la suite, renseignez-vous. Actuellement du coup nous sommes le 11 octobre 2020. Si jamais vous voyez cette vidéo dans 6 mois ou je sais pas dans 7 mois, vérifiez bien au niveau des règles gouvernementales. Renseignez-vous aussi en jeu parce que ça se peut que du coup ils mettent des nouvelles règles, c'est-à-dire pas le droit de rentrer dans les animaux avec des voitures, plein de petites règles, ou même baisser le prix du mouton à la revente. Ce qui fait que du coup vous allez perdre pas mal comment dire d'argent à faire ça, alors que actuellement c'est une des ressources qui rapporte le mieux. Donc malheureusement comme vous pouvez le voir, le collègue lui est en train de enlever un bout de peau d'un mouton. Le problème c'est qu'on le voit pas. Alors le souci c'est que du coup les animaux ne sont pas synchronisés, c'est à dire qu'entre vous et un autre joueur vous ne verrez pas les animaux au même endroit. Donc vous pouvez très bien voir un mouton là où je regarde, c'est à dire le chien actuellement, je suis en train de regarder un chien. Et ben le collègue lui ne le voit pas. Donc le délire, alors c'est un peu du use bug et du use glitch, je vous conseille pas de faire ça, après vous faites ce que vous voulez, je suis pas du tout responsable. C'est à dire de partir avec 4, enfin 3 autres collègues à vous, de partir dans un véhicule et ou même à plusieurs véhicules et chasser chacun de votre côté. Quand vous allez faire le cumul de tout, vous allez rapporter énormément d'argent. Cette technique rapporte à peu près 213 000 euros en 20 minutes, donc c'est vraiment
hyper, hyper, hyper rentable. Je vous conseille vraiment de la faire. Donc voilà. Au niveau du coût de la réserve naturelle, faites attention à vous. C'est-à-dire, utiliser un véhicule personnel peut être bien, mais peut être dangereux pour vous. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, l'amende donnée par les policiers en jeu est à 36 000 euros. 30 000 euros, les gars, si vous avez vendu 3 moutons ou 4 moutons pour être safe juste avant, vous les avez sur votre compte bancaire et vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Donc après, c'est vous qui voyez. Soit vous vous faites les 30 000 avant, c'est-à-dire faire une autre ressource. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir payer l'amende si vous vous faites choper. Soit vous vous lancez directement, vous essayez de faire 3 moutons discretos. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir payer l'amende. Attention à vous, du coup, si vous sortez un véhicule personnel. La plaque d'immatriculation, correspond à votre nom et prénom in-game. C'est-à-dire que si jamais les gardes forestiers voient votre plaque avec les jumelles de très 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 très, très loin, sans que vous, vous puissiez voir le garde forestier, il note la plaque, il transmet à la police. Si la police vous arrête dans les 2-3 prochains jours, il se peut qu'ils vous, du coup, demandent de payer l'amende. Parce qu'ils ont retrouvé votre véhicule. Et donc, du coup, l'amende s'élève à 30 000 euros. Donc, faites attention d'avoir réellement dans les, on va dire, une semaine qui suit, 30 000 euros tout le temps sur votre compte bancaire pour éviter justement des sanctions gouvernementales. Au niveau du coup du point de revente, je vais donc vous le montrer dans la vidéo. Il se situe juste au-dessus de la réserve naturelle, entre Sunny Town et la 2x2 voies. Donc là-bas, vous pourrez revendre tranquillou. Je vous conseille de garer le camion comme on l'a fait dans la vidéo, en marche arrière derrière le bâtiment. Ça évite d'avoir des problèmes avec la police pour le stationnement. Donc voilà, cette petite technique est vraiment cool, permet aussi de le faire en auto-école sans avoir besoin d'aucune licence, aucune pioche, aucune hache. Donc vraiment, technique très 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 basique et qui rapporte énormément d'argent. Le délire, faites attention avant qu'il n'y ait pas de policiers qui tournent autour de la réserve naturelle. Faites attention à bien éteindre votre moteur à chaque fois que vous vous arrêtez à côté d'un animal. Comme ça, vous êtes un peu plus discretos. Et voilà. Pas aussi avoir de gardes forestiers. Faites attention qu'il n'y a pas de gardes forestiers qui tournent autour de la réserve naturelle. Car eux ont le droit de patrouiller ici sans avoir aucun problème et de faire du off-road. C'est-à-dire, vous voyez les chemins qu'il y a tout simplement sur la carte. Et ben, ils ont le droit, eux, de rouler à côté. Donc si jamais vous êtes loin, vous êtes dans un trou paumé, il n'y a pas de route à côté, eux ont le droit de venir tout simplement vous en mettre plein la gueule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Safari, ciao ciao.